Salut à toutes et à tous, c'est Ocrad, c'est le départ le plus pété de cette série, mais quand même, je tenais à la garder. J'espère que vous allez bien, pour ma part, tout va pour le mieux. Bienvenue dans ce 4e épisode de Sable, et on s'était quitté la dernière fois autour d'ici. Moi qui pensais que tout cela était de la lave, il n'en est rien. Il n'en est absolument rien, parce que regardez, je peux passer dedans, c'est de l'eau en fait. C'est de l'eau chaude, c'est une source chaude. J'avoue que c'était pas clair. Mais du coup, j'ai trouvé le tunnel. Ah bah oui, forcément, quand on peut passer, ça change tout. Oh, c'est joli. C'est joli, tout plein. Regardez ça. Oh, c'est beau. Et là, faut que je lance ces trucs-là, donc. J'ai bien compris. Pas bien compris. Faut les lancer dans l'eau chaude, je pense. Donc c'est ce que je vais faire. Et on va essayer de décoller quelques petites lucioles de là. Hop. Alors attendez. On va faire ça. Attention. Hop là. Ok, ça dégage de la fumée. Champignons. On dirait vraiment de la lave, hein. J'avoue que pour le coup, c'est pas très clair cette histoire. Et là, je vais passer en dessous. Voilà. J'ai des petites lucioles. Enfumées. On était tous les deux enfumés. On va le poser, je vais refaire un peu de fumée avec. Oh, il y en a une qui était tombée, dis donc. Et là, je vais me mettre là-dessous. Comme Chantal. Qu'est-ce que c'est drôle. Qu'est-ce qu'on se marre. Hop. Voilà. Quête terminée. Je vais juste aller chercher ça. Un petit œuf de zami. En tout cas, vraiment, je vous remercierai jamais assez, mais vos retours ont été inespérés sur cette série. Vraiment, je ne m'y attendais pas. Je m'attendais pas à avoir autant de retours sur les épisodes. On m'a même dit, mais vas-y, lance-toi sur Suideki et tout. Ah les gars, Suideki, c'est chaud, non? Je sais pas, j'ai peur que vous disiez que c'est trop vieux, quoi, en fait. Et moi, si vous me dites, vas-y, j'y vais, quoi. J'y vais à fond, hein. Franchement. Je vais récupérer un peu de rab, au cas où. Ah. Ça ne sera pas suffisant. Je vais l'avancer comme ça, ça ira plus vite. Voilà. Voilà. Ok. Alors. Je prends, je vais là en dessous. Ah, peut-être que quand on a fini, on peut plus en récupérer. Hop, je vais récupérer tous les champignons. Dans le doute, je ne sais pas si ça peut me servir, mais je vais récup. Ah si, encore une luciole. Étonnant. Qu'est-ce qu'il y a dans cette fumée épaisse? Rien du tout. Rien de rien. Bon, en tout cas, je suis bien content. On a torché ça. Cette quête est donc terminée. Mais ouais, je m'attendais pas autant de retours, en fait. Je me suis dit, bon, ça, c'est une série. Elle va rester dans l'ombre. Et en fait, moi, ce qui me plaît, c'est de voir... bah, ok, les vues, c'est une série de l'ombre, oui, comme prévu. Mais par contre, il y a des retours. Et en fait, c'est ça qui m'anime aussi, quoi. Enfin, je veux dire, quand t'as pas la monétisation qui t'anime comme certains, qu'est-ce qui peut te motiver à part les commentaires et les retours des gens? Bah, pas grand-chose. Mis à part partager et te dire, bon, bah, il y a des personnes qui ont peut-être adhéré au truc. Mais c'est vrai que, bon, ça donne toujours la patate, on va pas se mentir. Alors, tac. Ça, c'est bon. Est-ce que je ferai pas tout de suite les cacas?
Ça peut être une bonne idée, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Il est où mon vaisseau? Simoun! T'es où, Simoun? Simoun! Simoun! Il est où mon pépère? Pépère! Wouhou! Tu ne me vois pas? Wouhou! Je suis là! Hop là, parfait. Allez, on y va. On va aller chercher des crottes de scarabée. La fameuse quête du caca. Au moins celle-ci c'est fait. Je ne suis pas mécontent d'avoir trouvé. En fait, j'ai regardé, c'était hier que j'ai enregistré. Donc hier, j'ai regardé. Et je me suis dit, non, mais attends, il y a un problème. Pourquoi je trouve pas avec cette lave et tout, là? Et à un moment, je suis tombé dedans. Et j'ai fait, ah mais attends, je peux nager. C'est pas de la lave. C'est une source d'eau chaude. Ah d'accord. Et là, c'était la déception pour moi. Je me suis dit, tiens, en fait, j'ai tourné en rond... lors de l'épisode 3 pour rien, quoi. C'est dommage. On a perdu un peu de temps, mais bon, c'est pas dramatique non plus. Là, dès là, c'est fait, et puis on est tranquille. Alors là, je pense que je pourrais pas grimper, je vais devoir contourner. Par contre, ça ramouille encore une fois. Pour l'instant, ouais, vraiment, si j'ai quelque chose à reprocher au jeu, c'est sa technique. La direction artistique, elle est là, elle fait le taf, elle est vraiment très 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 classe. Mais par contre, la technique, aïe 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 aïe. La technique, ça ne va pas du tout. Ok, donc là, ça a l'air d'être là. Ça a l'air d'être là quelque part, donc on va monter un petit peu. Peut-être là, hein. Bastion de Carab, ouais, j'y suis. Ça a l'air d'être là. Alors, je vais grimper là-dessus, je suis sûr qu'il y a quelque chose à aller chercher, non ? Sur la statue. Aïe. Ça pique. Je l'ai monté sur le genou, hein, mais... Il veut pas s'accrocher, là. Oh, mais là, il se met trop bas, là. Je n'arriverai point. Oh, non. Ici, ce serait l'idéal, mais pareil, il va pas s'accrocher. Mettre le genou ici. S'il veut bien. Allez. Oh non. Je suis sûr qu'il y a quelque chose au-dessus. C'est certain, mais bon. Tempi. Je vais aller voir là. Oh. Ça m'intéresse. Ouch. Alors c'est là-bas. En vrai, ce que j'aime bien aussi dans le jeu, c'est son côté exploration. Très très cool, très chill. Et ça marche bien en vrai pour une série. Je pensais pas que ça marcherait aussi bien, mais ça marche très très bien. Alors... Ah. Ok. Mais non, je veux pas grimper. Je veux juste avancer là-bas. Et
évidemment la direction artistique, hein, qui est certainement la plus grande force du jeu. Ok, j'ai mon œuf. Je suis sur son dos. Est-ce qu'il va faire caca? Je suis pas sûr. Ah si. Crotte alors. Ça, c'est franchement, c'est peut-être un des trophées duquel je suis le plus fier. Un trophée de merde. Voilà, je pense que j'ai récupéré assez de caca. On va pouvoir se barrer. Trois crottes, ouais, j'en ai largement trois. D'ailleurs, c'est étonnant que j'en ai sept. J'ai assez de crottes, ok. Allez, on se barre de là. On va se barrer de l'autre côté, par contre. Parce que je suis pas sûr que ce soit possible de remonter par là. Donc, let's go. Oh bah dis donc. Je me demandais si je saute de très très haut. Qu'est-ce que ça dit? Alors comme ça. Est-ce qu'il y a un trophée ou un truc comme ça qui est lié au fait de planer pendant hyper longtemps? Ou pas? Je voulais voir, mais je pense que j'ai ma réponse là. Ça fait déjà un petit moment que je plane et... Il n'y a rien qui se débloque pour le moment. Vraiment rien même. Il n'y a rien du tout. Peut-être quand je vais toucher le sol, hein. Qui sait? Non. Non. Je suis déçu. Et où mon vaisseau? Oui, il est là. Allez, on y retourne. Comme ça. La quête du caca, c'est fait. La quête des lucioles, c'est fait. Il me manquera plus que choper quelques masques pour l'initiation. Et après, on devrait être pas trop mal. En tout cas, j'avance bien. Je suis content. C'est pas un jeu sur lequel je bute pendant des lustres. Donc c'est cool. Et donc, écoutez, si vous êtes chaud pour Sudeki, peut-être que ça se fera un jour ou l'autre. Peut-être qu'un jour, je vais être assez fou pour me lancer là-dedans. À nouveau. Et bider plus que sévèrement, parce qu'aujourd'hui, vraiment, Sudeki, tout le monde a oublié, je pense. Donc, est-ce que... Est-ce que je serai assez fou pour me lancer là-dedans? Je ne sais pas. En vrai, s'il y en a quelques-uns parmi vous qui seraient chauds pour regarder ça, dites-le en commentaire. Comme ça, je saurais si j'ai déjà au moins 10-20 personnes qui vont regarder. Ouah!
Faire le tour. Ouais, je veux passer là, ça ira. Hop. Ah, je peux pas. Oh, ça vibre ici. Y a un truc caché quelque part ou... Ah non, c'est parce qu'il y a ça. Il y a des papillons. Ok, là j'y suis. Alors, c'était à l'intérieur, je pense. C'était là, non? Bonjour, novice. J'ai les crottes que vous vouliez. Ce qui la rend folle de joie. Bravo! Merci mille fois, novice. C'est très gentil à toi. Tu t'es bien amusé, j'espère. En fait, oui. Je lui réponds que contrairement à ce que je pensais, je me suis en effet bien amusé. Je m'en doutais! Merci de ton aide, novice. Mes fleurs t'en sont reconnaissantes. En guise de remerciement de leur part, permets-moi de te donner ceci. C'est un assigne de scarabée que tu as amplement mérité en me rapportant mes crottes. Je la remercie puis la salue d'un geste de la main et m'en vais. Ok. Bon, quête suivante. Du coup, c'était les friandises. Et où est-ce que ça se trouve, cette histoire? Ok. Oh, Citra, elle est pas au même village, je pense. Je vais reprendre mon vaisseau, alors. Ça ira mieux. On va gagner un petit peu de temps, quand même. Vraiment, vraiment, vous allez dire, je me répète, mais dommage que cette technique tout saute à ce point-là, quoi. Ce serait tellement plus agréable. Oh. Ce jeu-là, en 60, nickel, c'est tout bien, quoi. Ce serait tout bien, mais non. Malheureusement. Ce n'est point le cas. Oula, oulala. Ici, pas la folie non plus. Ah, finalement, elle était loin, Citra. Ouch! Pourquoi j'ai pas bougé, moi? Je me suis dit, oh, en dessous, ça passe. Et pas du tout! Pas du tout! Passe absolument pas. Ok. On doit passer... Ah oui. Dis donc. Ça a déclenché un truc en tout cas.
what? Y a un truc à faire avec ces... avec ces ronds, là? Bon, on va voir. En même temps, j'avoue que c'était tentant, quoi. What? Ça a débloqué un truc? Mais non! C'est énorme, je vais aller voir. Y'a quoi là-dedans? Ça se trouve, y'a des trucs à y faire. Hein. Peut-être un masque à récupérer, on sait pas. Ah, je vais aller voir. Et en plus, j'ai obtenu. Oh là, et la caméra aussi qui est parfois un petit peu capricieuse. Qu'est-ce que c'est? Ah, d'accord. Demande à quoi peut bien servir cet artefact en mode en forme d'anneau, d'accord. Je vais quand même terminer les friandises avant. Mais bon. Je vais grimper là-dessus, hein, il doit y avoir quelque chose. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Quelque chose à faire ici. Monte. Hop. Est-ce que je vais savoir aller jusque... Peut-être pas. Ah ! Un millimètre près, quoi. Horrible. C'est horrible. Bon. Terminons le truc de Citra. Donner ses lucioles, on sera tranquille avec ça. Et à mon avis, après, je devrais plus mettre les pieds là-bas, donc ça devrait le faire. Parce que ici, ça... Bah, je crois que c'est la ville qui rame le plus du jeu. C'est une horreur. Franchement, c'est désagréable. Et c'est dommage parce que paradoxalement, pour l'instant, c'est la plus jolie, je trouve, de ville. C'était au marché, je crois, mais... Je suis pas sûr de mon coup, là. C'est ça. Dis à Citra que j'ai les lucioles qu'elle m'a demandé. C'est vrai? Tu vas rire, mais j'avais presque oublié que je t'en avais demandé. Je devais être un peu distraite. Je lui tends les lucioles. Merci beaucoup. On dirait que Nosy mangera mieux que moi ce soir. Tiens, voilà un assigne de marchand pour te remercier. Je vais revoir à Citra. Très bien. Bon bah ça, c'est good. Écoutez, on va faire ça. Ah mais là... L'artefact, je sais pas trop à quoi il sert, quoi. Il est où, l'artefact? Non... Ouais, je vais peut-être pas pouvoir le faire tout de suite, celle-ci, du coup. Bon, je vais faire ça. Par contre, j'ai pas de guide. C'est étonnant, quand même.
C'est étonnant cette histoire là. Il y a un truc qui vibre. Il y aurait quelque chose à récupérer dans le coin. Peut-être. Pas l'air d'avoir là-haut. Non. Bon, pas ma foi. Alors, je ne sais pas où je dois aller. Écoutez, Caverne des vers luisants, bastion, pose des 7 cœurs, baleine. Moi je suis là. Cœur atomique, non. Pose du chêne brûlé. C'est là. Je vais me téléporter. Je savais même pas qu'on pouvait le faire. Le mec, depuis le début du jeu, il fait tous les trajets. Non, mais apparemment, c'est pas loin, donc. De ce qu'ils disent dans la quête, hein. Celle-ci se trouve au sud-ouest du poste du chêne brûlé, dans la partie nord des terres mortes. Donc, voilà. Ah, j'ai un courrier, visiblement. Connexion. Bonjour, Sable. Message non lu, 0. Bonne journée. Bah. Ok. Ok. Je vais prendre mon vaisseau. Et donc c'est au sud-ouest d'une... dans la partie nord des terres mortes. Okay. Les terres mortes, elles sont où? Tour des vents. C'est peut-être quelque part là. Hein. À moins que les terres mortes, ce soit ça. Marqué là, j'ai jamais fait quoi que ce soit ici, donc à mon avis, ça doit être là quelque part. Sud-ouest, partie nord, ouais, sud-ouest, partie nord, ça doit être là-bas. Je vais aller à mon repère, on verra bien. Déjà, si je vois terre morte, j'aurais compris que je suis au bon endroit. Et c'est le pont de la trahison, donc il doit pas avoir 50 ponts aux terres mortes, à mon avis. On devrait trouver assez facilement. J'espère, du moins. Allez, je vais prendre encore un jump, attention. Je suis un grand gosse. Je suis un grand gamin, il m'en faut peu. Un enfant. Oh, il faut garder, hein. Il faut garder une petite part de d'âme d'enfant quand même. Hein. Sinon, on devient juste un adulte con et chiant après. Hein. Je pense. Un minimum. Alors, je sais pas si je suis aux terres mortes. Pas encore, je pense. Ça devrait pas tarder. Hein. Oula. Allez, je suis où là? Ah, je suis dedans. Hein. Donc, je suis pas sûr que ce soit les terres mortes ici en fait. Pourtant. J'ai bien mis sud-ouest, donc... Euh...
Oh, ça rame ici. Ah, 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 ah. Ce serait pas un pont, ça? Peut-être pas. Pont de la trahison. Ah, si, ça doit être ça. De toute façon, il n'y a pas 50 monuments ici, donc... Je pense que je dois y être. On va voir. Je vais essayer de grimper. Ah, ah, mon vaisseau. Oh là là. Oh, purée. Et comment on fait pour grimper là? Ah, peut-être là. Ouais, pont de la trahison. Bon, déjà, j'ai trouvé le pont de la trahison. C'est déjà une belle avancée. Mais je sais pas si je vais savoir grimper ici en fait. Oh, tout juste. C'est calculé au poil de. Au poil de tartifion. C'est incroyable. Ok. D'accord. Donc là, il faudrait que je fasse ça. Et qu'ici, je fasse ceci. Un œuf de Zami. Ouais, là. Allez, grimpe. Ah bah là, ça ne passera pas, par contre. C'est pas grave. Là, ça passe. Tout juste, mais ça doit passer. Voilà. Mmh. Ok. Est-ce que j'ai encore autre chose à récupérer? Nope. Très bien. Là en haut, il doit y avoir quelque chose. Sinon, ce serait pas drôle. Voilà. Bien évidemment. Non, c'est pas ça que je veux faire. Là-bas, il y a encore un petit truc à récup. Merci bien. Je vais bien faire le tour ici parce qu'il y a l'air d'avoir énormément de choses à récupérer. Donc on va bien s'appliquer à fouiller la zone. Là, par exemple, ici, ça vibre très fort. Donc à mon avis, il y a des trucs sympas. Pas très loin. Peut-être ici. Non. Ah, ça vibre. Ça vibre, ça vibre. Peut-être ici, alors. Ça ne vibre plus. Bon, j'étais sur la bonne piste, mais je n'y suis plus. Bizarre. Dire que c'était dans le coin là. Là ça vibrait fort. Là. Ouais. Là ça vibre très fort. Mmh.
pété là. Non, y a plus rien. What? C'est fou ça. C'est là, hein, c'est dans le coin là. Y a quelque chose quelque part, mais où? J'en sais rien. Bon, tant pis. Je vais continuer de grimper là. On verra bien. Bon. Voyons voir. Ouais. On va peut-être aller là-haut. Hein. Là, il n'y a rien non plus. Je vous l'ai dit, un grand gamin. Ok. Ok. Très bien. Bon. Je vais aller là-haut. Et bah voilà. Elisabeth me salue. Ah, tu as décidé de te joindre à moi. Je voulais te voir. Je dis à Elisabeth que j'avais envie de la revoir. Elle semble apprécier et me donne une petite tape affectueuse sur le bras. Moi aussi, ça me fait plaisir de te revoir. L'ascension ne t'a pas posé trop de problèmes, j'espère. Je lui réponds que tout s'est bien passé avant de lui retourner sa question. Je me suis toujours maintenu en forme, sans mentionner le fait que la vue d'ici est une source de motivation supplémentaire. Mais merci, tu es vraiment quelqu'un de bien. Permets-moi de te remettre ceci, avec toute ma gratitude. Compte tenu de l'endroit où nous sommes, cela manque peut-être un peu de subtilité, mais... Avec un geste de la tête en direction de, des immenses statues qui se dressent derrière moi, Elisabeth me tend cet insigne de garde. Je le tourne dans ma main, en le caressant du pouce et la remercie de ce cadeau. Il n'est pas en très bon état, je sais bien, mais ça devrait tout de même donner matière à réflexion pendant que tu planeras sur ton aérocycle. La vie de garde m'a vraiment bien réussi, toutes ces années. Et si jamais elle te tente, cet insigne devrait te permettre de t'en approcher. Je m'imagine portant un masque de garde. L'idée me semble tout d'abord saugrenue, mais finalement, elle n'est peut-être pas si absurde que cela. Saurais-je me rendre utile en faisant ce métier? Prends soin de toi surtout. Peut-être que nous aurons encore l'occasion de nous croiser au cours de nos voyages. J'ai l'intention de me rendre aux dunes roses un de ces jours. Alors si jamais tu passes par là... Je lui promets d'un ton joyeux que si jamais je vais là-bas, je la chercherai. Une dernière chose, si tu décides d'emprunter la voie des gardes... Je l'écoute soudain avec une grande attention. Se tournant vers les statues, elle me les montre d'un geste. Attache-toi plutôt à être celle du haut, compte tenu de sa position. Celle du bas n'a pas la moindre chance. Nous nous disons chaleureusement au revoir et je reprends ma route. Et ben voilà. Encore une quête. De fait. Et je vais aller en face. Parce que je suis sûr qu'il y a plein de choses à faire. Hop là. Il y a un œuf là-bas, je le vois déjà. Oh! Oh! Je sens une suggestion s'insinuer dans mon esprit. Quand les épées s'entrecroisent, il faut tenir face à face. Il faut se tenir face à face, pardon. Ouais! Un nouveau pantalon! On va le mettre tout de suite. Un nouveau pantalon. Hop là.
Oh, c'est un cul-de-sac, ok. J'ai cherché mon œuf de Zami. Je l'ai vu de loin. Il est où? Où est-ce que je l'ai vu? Ah, il est là. Ah, je peux plus remonter. Ah non, ça c'est moche. Obligé d'aller là. Il faut que j'enlève le repère. Là, je vais grimper pour voir. J'ai vu qu'il y avait un escalier, on va l'emprunter. Alors. Bah, mis à part le coffre, à mon avis, il n'y aura pas grand chose d'intéressant. Teinture du crépuscule. Du crépuscule. Ok, bon. Ouais. Ah. Ouais, moi, je sais pas trop, là. J'avoue que... Bon, le truc des anneaux, je ne sais pas. Il y en aura peut-être d'autres, certainement, sur la carte. Je vais retourner à la baleine. Alors. Parce que c'est vrai qu'ici, j'ai pas beaucoup exploré. Et je me dis que ça peut être peut-être bien. Il y a peut-être des quêtes à choper. Parce que là, j'avoue que... Ici, j'ai parlé à très peu de monde, finalement. Bah, est-ce qu'il y a des gens ici, d'ailleurs? On n'en sait rien du tout. Pas l'air d'avoir grand monde, hein. J'avoue, je suis un peu perdu en fait là. Bastion. Caverne de ver luisant. Poste des 7 cœurs. Ouais, je vais retourner au poste des 7 cœurs. Peut-être que. Avec un peu de chance. Je vois rien. Ok. Ok. Quelqu'un qui va me donner une petite quête là, non? Ouais. Non, rien ici. Bon. Rien quoi. Mais c'est assez fou là. Je comprends pas là. Nid scarabée. La tour des vents. Je vais retourner au camp. D'ailleurs. Ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Peut-être que. Quelque chose à y faire. Je ne sais pas. Là, j'avoue que.
Un petit peu perdu là. Rien du tout à y faire, ouais. Y a rien à y faire. Ça, c'est problématique. Y a plus personne. Hé! Y a des anneaux là. Il y en a un, du moins. Oh, attendez. Je suis peut-être pas revenu ici pour rien. Il est où mon vaisseau? Il est là. Ah, j'arrive, attends-moi. Stresse pas, pépère. Je vais aller voir. Au niveau de l'anneau. Ça fait vachement penser à de l'autre côté en fait. Mais où sont les autres? Il y en a d'autres quelque part. Peut-être par là. Hein. Là j'en vois pas d'autres. Bizarre. Bon, il doit être quelque part ici, hein, mais où? Je ne sais pas. Finalement, le monde est quand même bien grand. Hein. J'aurais pas su le dire de base, mais... faire le tour à la recherche de ronds. À mon avis, c'est pas par ici. Parce que là, je ne vois rien du tout. Non, y a rien. Y a rien du tout. Ah, jusque-là, on était guidé par des petites quêtes, c'était tranquillou. Là, on est lâché. Hein. Là, c'est débrouille-toi, mon pote. Essaye de passer par là, à tous les coups, il doit être là le truc. Enfin, les suivantes doivent être ici. Ce serait quand même bizarre qu'il n'y en ait qu'une. Bizarre. Très étonnant cette histoire là. Rien du tout quoi. Rien de rien. Ah, mais étonnant. Il y a l'air d'avoir un truc là-bas, je vais aller voir. Je pense pas que je suis déjà venu ici. Ouais. On va aller voir ça. Enfin.
Je le sens bien, cette histoire. Mais c'est vrai que là, maintenant, on est quand même vachement lâché dans la nature, quoi. Bon, c'est bon, t'as bien tenu par la main, allez, débrouille-toi maintenant. C'est bon, stop. Ok. Ah mais oui, je me rappelle de lui. La bulle à zéro. Okay. Je me rappelle de lui, c'est le cartographe. Mais oui. Mais oui, j'avais oublié cette histoire. Salut. Je salue le cartographe d'une petite voix intimidée par le fait que nous soyons toutes les deux à cette rencontre. Me semble presque intimiste, bien qu'elle fasse partie intégrante de ma quête initiatique. À son ton de voix, j'imagine qu'elle me sourit chaleureusement sous son masque. Bonjour novice, et merci d'avoir pris le temps de grimper jusqu'ici. Quand on est exploratrice, il arrive qu'on se sente toute seule, tu sais. Je lui réponds que je sais ce qu'elle veut dire, vu que ça m'arrive à moi aussi quand je suis sur mon aérocycle en plein désert, pourvu que Simoun ne m'entende pas. Bien, alors, qu'est-ce qui t'amène? Je peux vous acheter une carte? Avec plaisir. Un signe de cartographe, hein. Je vais acheter la carte. Et je vais prendre ça. Merci, novice. Au revoir. Alors, attendez. Un signe. Permet de découvrir de splendides paysages et de discuter avec les gens pour en savoir plus sur la région, ce qui est toujours bénéfique, ok. Ok, elle me répond d'un gloussement. Évidemment, tu ne crois tout de même pas que je reste ici sans raison. Tu es déjà allé dans la tour des vents? Le poste de chaîne brûlée, ouais, ok. Ouais, bah, tout ça j'ai visité déjà finalement. Splendide dune rose. Bon, tout me mène aux dunes roses. Tout me mène aux dunes roses. Bon, ici j'ai la carte maintenant. Donc ça c'est cool. Finalement, les dunes roses, ça doit être là. Attendez. Je vais relire parce que là j'ai passé un peu vite. Ouais, va au sud si tu veux contempler les splendides dunes roses. À l'ouest, tu trouveras Rouge Houle et ses nombreux secrets. D'accord. Donc au sud. Au sud pour les dunes roses. Donc là, je suis là. Ouais, bah dune rose, ça doit être là ou là. Donc, du coup. Je vais mettre un point là, on verra bien. Yaaaaah! Et si je tombe, j'ai un trophée? Rien du tout. Viens me voir, Simoun! Bon, bah, j'ai bien fait d'y aller ici, en tout cas. C'était pas en vain. On a débloqué une partie de la carte. Et ça, c'est cool. En tout cas, vous le voyez, on prend bien notre temps pour le faire ce let's play. C'est vraiment un let's play à la cool. Zéro prise de tête, quoi. Un truc, là. C'est quoi, ça? Un truc, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, encore, là? Yeah.
Un Zami. C'était sûr. C'était évident qu'il allait avoir quelque chose. Bien fait de m'arrêter, encore une fois. Ça passe? Ouais, ça passe. Ouah. On va dire que ça passe. Ouch! Non, il faut que je trouve des choses à faire ici, quoi. Là, j'y suis, je suppose. Je suis où? Ah non, pas encore. Ok. On va continuer d'avancer, alors. Bah, oula, oula, oula. Calme-toi, le jeu. J'y suis pas encore. Je pense que ça ne saurait tarder. Canyon, hein, quand même. Wow! C'est quoi ça là-bas? Il y a un squelette énorme. Ouf. En même temps, avec le framerate là. J'ai du mal quand même. J'ai du mal à me diriger un petit peu là. Je vais aller voir le squelette, obligé. Ok. Ah mais il y a une ville en dessous. Excellent. Bon bah je vais aller voir. Ouah, ouah, ouah. Poste d'Osmuel. Bon bah pourquoi pas, oui. Il n'est généralement pas facile de surprendre les machinistes, mais il sursaute quand je lui dis bonjour. Il me répond en saluant les bras. En me saluant avec les bras. Novice, c'est un plaisir de te voir, de te rencontrer. Probablement, oui. Je crois que c'est la première fois que nous nous voyons. Bonjour, je m'appelle Callan. Callan se balance d'avant en arrière et parle très vite, presque trop. Ses mots s'enchaînent et me font penser à une rafale de vent charriant cailloux et brindilles de dune en dune sur son passage. Et comment ça se passe pour toi en ce moment? C'est très excitant. Excitant, bien. Il me semble évident que Callan a à peine écouté ma réponse avant de m'interrompre. J'aurais besoin de ton aide, enfin, si tu es dispo, ou même si tu ne l'es pas, remarque. Enfin bref, j'ai un service à te demander, ce sera très amusant, promis, et en plus de ça, ça te vaudra un insigne de machiniste. Droit au but, pas vrai? Je sais que vous appréciez ça, vous autres novices. La vitesse, c'est votre truc, hein, et d'autres, trucs aussi. Enfin, comme ça, enfin bref. Que veux-tu que je fasse? Je veux que tu gagnes un insigne de machiniste, et pour ça, il faut que tu fasses un petit quelque chose pour moi. Considère que c'est un genre de mission, ok? Ce sera amusant, non? Enfin, peut-être. J'ouvre la bouche pour répondre, mais Callan ne m'en laisse pas le temps. Tu vas devoir te servir de ta tête. Il faut que tu te rendes à la grande horloge et que tu observes le soleil. L'équipement nécessaire te semblera sans doute un peu démodé,
pas assez perfectionné, encombrant, archaïque peut-être, mais il fonctionne encore. C'est tout ce qui compte. Observe le soleil, et si tu fais tout comme il le faut, la porte-visage devrait s'ouvrir dans la salle. Une fois que tu auras vu ce qu'il y a à l'intérieur, reviens me dire ce que c'est, d'accord ? J'inspire le plus rapidement possible pour tenter de dire quelques mots, mais encore une fois, Kanan ne m'en laisse pas le temps. Très bien, merci. Et tu pourras me remercier moi aussi, car si tu le fais, tu auras plus que mérité cet insigne. Allez, file vite et reviens. J'ai hâte que tu me dises ce que tu as vu. Kanan me fait signe de m'en aller. Je dis au revoir à Kanan. Ouais, mais je veux personnaliser mon aérocycle. J'ai pas des nouvelles pièces ? Ouais, il me semblait que j'avais des nouvelles pièces, je suis deg. Il me semblait, mais pas du tout. Bon bah voilà, j'ai une nouvelle quête. En fait, il suffisait de trouver les villes. Bonjour novice, tu veux jeter un œil à mes marchandises ? Oui. Alors, moteur, avant d'aérocycle. J'ai plus de sous, moi, j'ai plus rien. Papillon. Ah, je peux pas lui vendre plus parce qu'il y a plus de carrel. Mais non. Bon, déjà, ça me fait un peu d'argent. Bon, je sais que les lucioles, ça se rachète bien. Hein. En ce moment, j'étudie la faune et la flore de Midden. Nous pouvons soigner beaucoup de choses à l'aide de la technologie d'antan, mais il faudrait faire... Mais il faut faire de plus en plus attention à la façon dont on s'en sert. Elle n'est pas accessible à tout le monde dans les dunes. La déplacer n'est pas simple en cas de coupure de courant. Nous commençons à accomplir des progrès notables grâce aux solutions locales non basées sur la technologie, mais il nous reste encore tant de choses à étudier. Ok. Tu ne m'attraperas jamais, je suis plus rapide qu'un aérocycle. Je t'ai attrapé. Voilà. Ah si, je t'ai attrapé plusieurs fois même. Je la suis, ça se trouve, elle nous mène quelque part. Hein. Ou pas. Ou pas en fait. Pas du tout. Eh bien, mais qui voilà, ma novice préférée. Tu ne vas pas le croire, mais je pensais justement à toi. Moi aussi, je pensais à toi. Vraiment, c'est le destin, on dirait alors, ou du moins, un peu de chance. Et franchement, je saurais m'en contenter. Elisabeth glousse, les mains sur les hanches, et je lui demande pourquoi elle pensait à moi. Je réfléchissais à tout ce que j'avais raté lors de ma première quête. J'étais si pressé de rejoindre Ekria pour devenir garde que j'ai plus... volé comme une flèche déambulée droit vers ma cible. Avant d'avoir le temps d'y réfléchir... J'avais suivi ma voie sans avoir eu l'occasion de voir Akoa, de nager dans un lac souterrain ou de découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur des fleurs de Nimour. Tu aimerais ? Je lui demande si elle aimerait savoir ce qu'il y a à l'intérieur des fleurs de Nimour. Tu sais quoi ? Je crois bien que oui. Je suis sûr d'en avoir vu en traversant la forêt pétrifiée, mais il faisait jour et comme tu le sais, elle se referme au soleil. D'un autre côté, j'étais peut-être un peu trop pressé pour bien prendre le temps de regarder. Tu sais ce qu'on dit, les vieilles habitudes ont la vie dure. Bref, je crois pas avoir l'occasion de retourner là-bas prochainement, hélas. Alors si jamais tu vois une de ces fleurs, ouvre-la en deux et reviens me dire ce qu'il y a à l'intérieur, d'accord ? Il doit bien y avoir quelque chose qui les fait briller, non ? Quelque chose me pousse à lui faire plaisir, et je lui promets un peu trop vite de trouver la réponse à cette question, sans trop savoir pourquoi je sens que je cherche à l'impressionner. Rien ne t'y oblige, tu sais. Oh, mais qu'est-ce que je raconte, moi ? Je suis à la retraite. Alors, autant me faire plaisir, va donc ouvrir une fleur de Nimour et rapporte-moi ce qu'il y a à l'intérieur. En espérant qu'il ne s'agisse pas d'une substance vénéneuse quelconque, bien sûr. J'espère également. Je lui réponds que j'espère aussi ne pas me faire asperger de sucre caustique en ouvrant la fleur. Ce serait sans doute compliqué de piloter Simoon si la peau et les muscles de mes mains étaient rongés jusqu'à l'os. Elisabeth éclate de rire. Je dois bien reconnaître que ce serait quelque peu décevant. Maintenant que je sais quoi faire, je dis au revoir à Elisabeth et je me mets en route. Allez, encore nouvelle quête. Parfait. Bon bah voilà, on fait le plein de quêtes pour le prochain épisode, c'est très bien. Alors, mon camp a toujours vécu dans les dunes roses, nous nous aventurons rarement au-delà.
On raconte que des monticules de craie étaient autrefois les ossements de créatures immenses tuées par la chute de la baleine et qui depuis pourrissent au soleil. C'est un peu flippant, je sais, mais moi ce qui me terrifie le plus, c'est la forêt pétrifiée. On n'y voit pas le bout de son nez là-bas. Je suis en présence d'Ofu, l'aubergiste du camp. Que puis-je pour toi ? Novice, j'ai un petit boulot que tu devrais pouvoir faire pour moi. C'est quoi comme petit boulot ? J'ai besoin de scarabées à bandes orange, 3 pour être exact. Et une novice semble être la bonne personne, être la personne rêvée, pardon, pour aller les chercher. Tout à fait. C'est ce qui me manque le plus quand je repense à ma quête initiatique. On apprend tellement de choses, on aide tellement de gens, c'est génial. Mais bon, il faut aussi aimer avoir du sable partout. La quête initiatique, c'est juste du sable qui rentre partout. En souriant, je lui demande où trouver ses scarabées. Il devrait y en avoir quelques-uns dans la grotte au nord-est, mais si tu en as encore jamais attrapé, je te préviens, un rien les fait fuir. S'ils te sentent approcher, ils s'enfonceront aussitôt sous terre et tu ne pourras pas les attraper. Ta seule chance est de les attirer à un endroit où ils ne pourront pas creuser. Je lui réponds que je ferai de mon mieux. Bon, c'est avec la bouffe. On va devoir les attirer avec la bouffe. C'est sûr. Je vais aller dans les autres cabanes, peut-être qu'il y a encore des choses à y voir. Peut-être ici. Oh! L'ambiance sous la tente est tout sauf agréable. Je n'arrive pas à déterminer si le forge-masque est d'origine humaine ou autre. J'ai entendu parler des forges-masques dans de nombreuses histoires. C'est eux que les novices viennent voir pour obtenir leur masque lorsqu'ils ont réussi à gagner 3 insignes identiques. Je ferais bien de chercher à gagner davantage d'insignes. Ah, j'ai pas mes 3 trucs identiques. Ah. Puc! C'est où les scarabées? Bon, ça, faut que je les active, du coup. Parce que là, soit j'enchaîne juste les scarabées et on y va et voilà, c'est fait. Ou alors je garde pour la prochaine fois, je ne sais pas. J'avoue que... Je ne sais pas, je suis un petit peu perdu. Ah, c'était le mien qui était garé, là ? J'ai même pas reconnu Simoun. Désolé, Simoun, je t'avais pas reconnu. Bah, tu te pilotes toujours aussi bien, ce que je vois. Quel plaisir. Solide. Allez. On va aller voir, hein. Voir les fameux scarabées. Pouah ! Ah oui. Dis donc, ici, on voit rien du tout. Pff, puis ça rame. Oh, je me mange tout, c'est incontrôlable tellement ça rame, quoi. Ah bah, c'est bien de me le dire maintenant, ouais. Bam. Boom. Oh lolo. Ça ne vole plus très bien, cette histoire-là. En plus, ça rame. Ça, c'est un petit peu embêtant, quand même. Ok. Bon, on va descendre. Je pense que ce sera plus prudent. Viens là! Non, reste là! Non! Connerie.
vais poser ça là pour l'instant. J'ai envie d'explorer le vaisseau. Ah, on peut pas. Mince. Bon bah, je vais reprendre ça alors. Ils sont où ces scarabées ? Il y en a un là-bas, je crois. Il y en a un là aussi. Ah. Ah, il me suit, hein. Suis-moi. Viens à moi, petit scarabée. Viens chercher le bon manger. Viens voir tonton crade. Miam, 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 miam. Le bon manger. Il me suit encore ? Il me suit plus. Viens là, viens manger. Miam 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 miam. Il y va pas, hein. J'ai envie d'y aller, mais... Hop ! Ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Orange au désespoir, pas mal. J'aime bien. Elle est validée, celle-là. On va faire la même, hein. Je vais en attirer plusieurs et puis basta. Hein. Scarabée. En vrai, peut-être là, ils peuvent pas creuser. Hein. C'est du... Comment dire, c'est de la roche, donc je pense qu'ils peuvent pas. Viens là, toi. Viens. Ouais, je pense que là, ils peuvent pas. Vas-y, 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 vas-y. Je vais en prendre plein en fait. Viens là toi. Ah bah non, loupé. Viens là. Viens manger. Manger. Manger, manger, manger. Viens manger. Mmh. Eh bah non. Non, c'est pas ça que je voulais prendre. C'est le scarabée. Merci. Viens là manger. Manger, manger, manger. Comme ça, je peux les revendre. Viens manger. Mmh. Miam, miam, miam. Voilà. Bon, ça, c'est fait. On a fait la quête des scarabées. On est tranquille avec ça. Bon, maintenant... Il va falloir débloquer... cette petite partie de vaisseau. Et encore faut-il trouver ce qu'il faut pour... Bah y'a rien. Je vais faire le tour pour voir, mais... À mon avis... Mal barré quand même. Oh, ça passe tellement pas. Oh, j'ai cru, hein.
J'y ai cru fort, mais non. Non, là je peux pas. Bon. Peut-être là-haut, hein. Mais c'est pareil, comment je vais là-haut? Ouais, c'est pas possible. Bon, écoutez, on va aller rendre la quête. Mais c'est dommage, parce qu'il y a quelque chose à faire ici, ça se voit. Faut juste trouver le noyau, et je suppose que le noyau, il est là-haut, quoi. Mais je vois mal comment je peux y grimper. Peut-être par là, on va essayer. En vrai de vrai, peut-être par là. Oh là là. Je vais prendre les papillons. Je sais pas si ça va me servir un jour, mais... Dans le doute. Ah mais non, ça glisse. On peut pas... C'est horrible. Moyen, hein. On va grimper. Hein. Grimper, je vais grimper. Hein. Ça, c'est pas... Pas un problème. Il y a un truc là-dedans, non? Non. Nope. Ok, donc là, je vais planer jusque-là. Et on va aller chercher ce qu'il faut. Hein. Ça va 5 minutes. Ah! Ok. Donc ça a ouvert ici. Visiblement. Bon, ça va pas tenir là. Huge! On est à combien là? Oh, 1h20, ouais. On va se calmer un petit peu sur les durées d'épisode. Ça fait mal à la tête, cette histoire-là. Voilà. On va y arriver, on va y arriver. Voilà. C'est quoi ça? La ferraille, ok. Bon, bah là, il n'y a plus rien. Ok, on peut redescendre. Hop. Ok, descente aussi. Voilà. Ensuite, on va aller le mettre dans son petit truc là-bas, dans son petit réceptacle. Tranquillement. Voilà. Ça ouvre de l'autre côté. Et qu'est-ce que ça va me débloquer? J'en sais rien. Mais dans l'absolu, au moins, on aura fait
ce petit passage-là. Ça m'aurait embêté de le laisser comme ça. La ferraille, ok. Tout ? C'est tout. J'ai eu un truc sympa, j'ai eu un costume sympa, mais... Quand même. Je m'attendais à un peu mieux. Bon, écoutez. On va aller rendre cette quête, et puis on a fini. Il est où mon vaisseau ? Simone ! T'es où ? Viens là, Simone. Allez, on y va, Simone. Quête. Tac. On y va. On est parti, Simone. Let's go. En voiture, Simone. C'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxoune, évidemment. Ouais, fallait que je la fasse un jour ou l'autre. Hein. Elle m'avait jamais traversé l'esprit jusque maintenant. Mais man, mais bon, il vient un temps où, vous savez, cette petite étincelle bof vient s'immiscer en vous. Et là, bah, il faut y aller. Hein. Quand faut y aller, faut y aller. Ça rame. Horrible. C'est horrible, ça rame trop. C'est dommage, c'est tellement beau comme jeu, bon sang. Ah, ça rame de ouf. Oh là 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 là. Bon voilà, comme ça je rends ça et comme ça on peut arrêter l'épisode. Allez. Let's go. Bonjour novice, que puis-je pour toi ? Je tends les scarabées à l'aubergiste, elle tape dans ses mains de joie avant de les accepter et de les poser précieusement à côté d'elle. Bravo! J'espère que ça a été amusant pour toi et dans le cas contraire, ça t'aura au moins permis de gagner un bel insigne. Je remercie l'aubergiste pour l'insigne et je m'en vais. Ok! Bon, ça c'est fait, hein. Les insignes, là j'en suis où? Insigne. Eh ouais! Les trois insignes de scarabée. Insigne de cartographe, de garde, de machiniste. Ouais, ça commence à être pas mal, hein. Ça commence à être pas mal, cette histoire. Ok, bon. Je vais sauvegarder là. Je vais même faire la sauvegarde devant vous, regardez. Hop. mince, c'est où ? Système, sauvegarder. Oui. Eh bien, écoutez, les amis, on va se quitter là-dessus. Je vais donc vous dire à tout bientôt pour de prochaines vidéos. J'espère que cet épisode vous a plu. Bon, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le tourner. Ciao, ciao, c'était Ocrade. Et comme d'habitude, vivez à fond votre passion de gamer. Ciao, les amis, et à la prochaine.